écoute, ici Lupina pour l'épisode numéro 116 du 100 Baby Challenge. On en est à 47 bébés la dernière fois. Nos derniers jumeaux ont grandi, donc ça va être génial. Le temps des bambins est revenu. Wouh! J'ai méga hâte. Ou pas. Bon, bah on va commencer. Je vous retrouve dans le jeu tout de suite. Et nous revoilà dans le jeu, n'est-il pas? Ben, bienvenue, bonsoir. Du coup, je sais pas trop ce qu'on va faire. Pierre va aux toilettes, tout à fait. Vaut mieux, hein, parce que bon. Il va prendre une petite douche et on va réessayer d'inviter machin, là, parce qu'il est pas venu, cette espèce de petit enculé. Gourgandin! Attendez, il y a des plantes à faire évoluer. Bon, te douche pas, c'est bon, t'es propre. Où sont les plantes à faire évoluer? Viens ou pas? Ah, il est en train d'appeler. Il va arriver. Alors, on est d'accord que c'est mis... Machin va arriver. J'aimerais bien que Machin arrive vraiment. Allez, voilà! Oh! Coucou, toi! Coucou, bébé! Alors, pour ceux qui se souviennent, hein, c'est le facteur. Et on avait dit, enfin, j'avais dit au début qu'on allait se le farcir. Quoi, il est pas propre? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a ça? Mauvaise plomberie. D'accord, très bien. Bon, on s'en fout. Alors, coucou, bel homme. Alors, est-ce qu'il est beau au moins? Je sais pas trop, je suis mitigée. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos à vos potes, à votre famille, si ça vous plaît. Et à mettre des pouces bleus, parce qu'en fait, ça permet de mieux me référencer. Alors, c'est un grand mot, hein, parce que j'ai peu d'abonnés, j'ai peu de vues, et voilà. Mais ça peut permettre plus de visibilité. Et c'est cool, c'est motivant, disons-nous. N'hésitez pas à commenter non plus parce que je réponds à tous les commentaires, même si je mets parfois du temps, mais je réponds à chacun. Enfin, j'essaye en tout cas, parce que si vous me dites juste « first », oui, d'accord, c'est bien, t'as accompli un truc dans ta vie ou quoi. Bon, je crois que je les supprime en plus les « first », donc essayez de dire quelque chose de sympa, enfin bref. Bon, compliment de sa tenue, hein, on est rigolo, on est gentil, le machin, le boudingue. Le boudingue. Alors, complimenter l'apparence. On va essayer de le pécho, ce petit coquin. Je ne vois pas avec ma caméra. Demander s'il est célibataire. Et ouais, c'est quand même important. C'est la base, j'ai envie de dire. Bon, les gosses, ils sont bien. D'ailleurs, on va les faire jouer tous ensemble. Non, mais attendez. Attendez, Chibi est pas méga bien non plus. Tu vas aller aux toilettes, tu vas prendre une douche, tu vas prendre les restes. Et Zouille, tu vas jouer avec Ned. Rejoins Ned, comme ça va monter son social, j'espère. Bon, est-ce que c'est bon? Il est facteur, voilà, c'est ce qu'on avait dit. Et du coup, est-ce qu'il veut être pécho? Parce que moi, ça m'intéresse, hein. Oh! Il est enjôleur, le coquin. Ouh! Comment il s'appelle déjà? Choria! Ouh, Choria! C'est horrible, je hurle. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire de Lupinaing? Technique de drague osée. Bon, t'acceptes mes avances, connard? Il se passe rien, ils sont buggés ou quoi? Le mec, il fait une blague pendant 30 minutes. Alors, c'est l'histoire des nains. Oh, un chat! C'est l'histoire des nains qui vont à la mine. Vous connaissez cette super blague nulle à chier? En gros, c'est une blague... tellement longue à raconter et encore plus longue à écouter. Et donc c'est une histoire, une espèce d'énigme de merde qui vous raconte l'histoire des nains qui vont dans la forêt. Et il y a le premier, il prend sa pelle. Le deuxième, il prend machin truc. Enfin bref, il y en a au moins 40 des nains, donc je vous dis pas la liste. Et faut bien détailler la forêt, tout le bordel. Et à la fin, la question ultime. Et le dernier nain, qu'est-ce qu'il prend? Il prend la tête! Voilà, c'est nul, surtout que je l'ai très mal raconté, donc ça doit être encore plus nul. Si vous n'avez rien compris, mettez un pouce bleu. Et si vous avez compris, mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu. Alors c'est l'épisode, je demande des pouces bleus. Hein. Il manque plus que la miniature et le titre putaclic et c'est perfect. Perfect. Moïse pécho. Péchotez-vous, péchotez-vous. Péchotez-vous. On est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 6, ça veut dire qu'on pourra peut-être avoir des jumeaux encore. Ça veut dire qu'on aura 4 bambins. Oh, j'ai hâte. Ou pas. Il se pécho. Péchotez-vous.
Pêchotez-vous, pêchotez-vous. Bon bah ils sont longs à se pécho, hein. Ma petite chibi d'amour, est-ce que tu veux bien faire la vaisselle s'il te plaît et ranger ce foutu bouquin? Le social, ça va pas trop, Wing. Ben ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller jouer. Non! Reviens ici, espèce de petit bâtard, on n'a pas pécho. Ici. Non, 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 reviens. Mais dépêche-toi, Pierre. Ah non, ah non, ah non, hein. T'as cru quoi, toi? T'as cru que c'était la bonne année ou quoi? Non. Oh, invité à rester dormir. Rrr, caliente. Non, en fait, on va pas l'inviter à rester dormir parce que il va être chiant après. Et il va faire comme chez lui, ça va m'énerver. Mais ils ont pas fait le premier baiser. Mais c'est nul. Mais on peut pas le pécho du coup. Ah si. Oh, essayez de faire un bébé. Oh oui, allez-y. Le bébé, le bébé, le bébé. Non, espèce de fils de pute. Non, mais tu restes là. S'il te plaît, Germain, là. Viens ici. Il se casse, hein. Quel gros bâtard. Mais je veux le bébé. Fais le bébé. Il y a Michel, il me regarde en mode... Elle est con. Mais elle est con. Le bébé. Le bébé. Mais sérieux, Jude? Alors attendez, on va lui dire inviter à rester dormir. Si c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux. En fait, tu veux dormir chez moi, quoi. Tu veux squatter. Voilà, dormir ici, génial. Oui, c'est ça. Allez, c'est génial. Et maintenant, faites un bébé. Mais le bébé. Mais ils y vont ou pas cette fois? Ah, bah voilà. Voilà, là, on s'entend. Allez, péchotez-vous. Allez, Maurice. Ah oui, oui, vas-y, Maurice. Maurice! Et vous allez le refaire 2-3 fois, hein, parce que... Oh, my goodness! Vous avez vu sa coupe? Remets ton turban, s'il te plaît. Je crois que c'est belle comme ça. Remets-le! Remets-le, c'est mieux! Oh, my God! C'est horrible! Ah non, 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 mais ça va pas aller, hein! Ça va pas le faire entre nous, mon chou. C'est bon, arrêtez de jouer, les filles. Et toi, t'iras prendre une douche et au lit aussi. Hop, comme ça, tout le monde va dormir. Toi, t'as faim, je suppose. Bah oui, t'as faim. Bah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est bon, je mets le plat par terre. Viens te servir et nous fais pas chier. Allez, Samy, mange. Ah oui, je les ai relookés, au fait, hein, parce que le roux, c'était pas possible. Hein. Oh my God. Oui, je sais, j'ai une voix mélodieuse. Mélodieuse. Chibi, il faut dormir, Chibi. Chibi, 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 tu es bugué. Tu es bugué, tu es bugué. Il leur faut quoi comme compétence maintenant? Oh là là, ils ont encore tout à faire, quoi. Bon, allez, joue à la poupée. Et toi aussi, dépêchez-vous. Dépêchons, dépêchons. Ça va, Natsume, pour le moment, t'es pas casse-couille. Donc, bon, je touche du bois parce que, à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Mais pour le moment, t'es le moins casse-couille des deux. Hein, c'est Samy, le gros relou. Samy! J'adore hurler, j'adore. Franchement, je sais pas comment vous faites pour m'écouter. Parce que je passe mon temps soit à me plaindre, soit à hurler, soit à me plaindre en hurlant. Je suis navrée. En fait, non, pas du tout. Je ne suis pas du tout navrée, je suis plutôt contente si vous avez les oreilles percées, voilà. Hein. Ça vous apprendra à vous marrer pendant que je rage avec ces bang bang. Bon, ça monte pas vite l'imagination, par contre. Non, mais continue de jouer. Je sais, tu pues et tout, mais bon, bah, c'est comme ça, hein. Écoutez, on va enchaîner les trucs, comme ça ils vont le faire toute la nuit. Et après, bah, on aura les compétences les plus reloues à faire, c'est-à-dire... c'est-à-dire ce pot de merde et la réflexion. La réflexion, ça ira s'il y a Pierre. S'il y a Pierre qui aide, ça ira, je le sais, mais le reste c'est chiant. Allez, on se dépêche, voilà, ils sont déjà à deux, donc c'est cool. En plus, ils ont à peu près en même temps 5, 6, voilà, c'est... C'est ça monte vite, hein. Waouh. Waouh. Ça monte pas vite. Ah si, ça va, 22, 24, oui, oui, oui. Bon, ils jouent ensemble, c'est mignon quand même. Enfin, c'est mignon, hein, ça reste des chiards, quoi. Y a pas de quoi se claquer le cul, mais bon, ça va, c'est correct. Ah non, mais continue de jouer, hein, Jacotin. Oh, il est pas content car il est sale. Ah, j'ai rien dit, Natsume, en fait, t'es casse-couille. Bon, alors, y en a un qui chiale et un qui fait son caca nerveux, je trouve ça assez drôle.
Excusez-moi, je trouve ça drôle. Alors, vous en êtes où? 50%. Bah, c'est... Mais en fait, c'est con parce qu'ils jouent ensemble, mais ça monte pas le social. Non, alors Pierre, tu es gentil. Tu as ta salle de bain privative. Tu vas pas dans celle de tes enfants, s'il te plaît. Voilà, et tu vas nettoyer un peu parce que c'est dégueulasse. À moins que Ned va prendre les restes. Qu'est-ce que je disais? À moins que la meuf là qui nettoie vienne aujourd'hui. Toi aussi va prendre des restes. Bon, il y en a un qui va pas le faire forcément parce que c'est chiant. C'en est où? C'en est à 67%. Ah, et Samy a arrêté de jouer. Samy, dépêche-toi! Alors, 78, c'est bien. Et maintenant, c'est Natsume qui a arrêté de jouer. Oh my god! Les cours de Chibi commencent dans 1 heure. Très bien. Toi, t'as pas mangé. Bah non, sinon, c'est pas drôle. Et Chibi, ça va juste aller aux toilettes. Voilà, on est bien. C'en est où, les enfants? C'en est où, les petits? On se dépêche, on joue à la poupée! 88%. Ah, ça y est. Samy, tu es libre. Pierre, va laver ton fils. Donner un bain de mousse. Comme ça va remonter son... Ah oui, alors, ta gueule, toi. Voilà, ça va remonter son social. Viens, mon bébé. Le bébé. Le bébé. Bon, alors, lui, il est très crade. Bah, toi, tu vas commencer la compétence réflexion en attendant. Oui, je sais, c'est long, c'est chiant. Bon, eux, ils partent à l'école, ça, c'est cool. Vous allez travailler dur. Comme ça, si jamais je peux vous faire vieillir au passage, ce serait cool. Mais je crois pas, je crois qu'ils ont que C pour le moment. Ouais, ils ont C. Ils ont C parce qu'ils sont grandis, ils ont grandi en plein milieu de nulle part, là. Pierre, après, tu vas apprendre à aller sur le pot à Samy. Ce sera déjà ça. Et ensuite, on s'occupera du pauvre Natsume, qui est complètement mis de côté. Mais avant, on ira coucher Samy, quand même, si on peut lui lire une histoire. Oh non, on s'en fout, en fait, parce qu'ils ont déjà l'imagination à 3%, enfin, à 3... Level 3, vous avez compris, donc c'est bon. Ah, pff, bah ça va, je m'en sors pas si mal avec ces jumeaux. Je dois y aller, c'était sympa. Oui, bah c'est ça, au revoir. Allez, j'espère que t'as bien mis ta graine, mon vieux, parce que sinon ça va être chiant. Ah, ça y est, il fait dans le pot. C'est déjà ça. Non, pique pas ta colère, t'inquiète, tout va bien se passer. Je sais, t'es triste, t'as pas de social, machin, mais bon, bah c'est la vie, hein. Du coup, on va s'occuper de Natsume. Natsume! Ah, elle est là, la bonne, c'est bon. C'est cool. Pierre, c'est bon. Allez, vas-y. Non, sérieusement, qu'est-ce qu'il fout? Il m'énerve. Salut, mon petit chéri, est-ce que tu veux prendre ton bain? Non, tu lui demandes pas, tu lui dis, on va prendre le bain maintenant! Et on le fout dans la douche et on lui met le jet dans la tronche. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça à vos enfants, s'il vous plaît. Ni à vos animaux, ni à personne, d'ailleurs. Évitez de traumatiser. Oh, pauvre gosse. Oui, je suis assez... Non, ta gueule, toi. Je suis assez horrible. Je sais. Quoi? Elle a terminé, mais elle est nulle à chier. Ah non, c'est la jardinière, pardon. Ah oui, parce qu'elle, elle est loin d'avoir fini. Elle est en train de s'amuser à ranger tous les jouets. Tous les jouets que Cécilia avait foutu en déco, elle les range. Bah, on n'a pas fini, hein. J'avais dit d'apprendre à aller sur le pot à Natsume, mais c'est pas grave. Dépêchez-vous, là, vous foutez quoi? Oui, allez, pose ton petit cul sur le pot. Et zouzou. Zouzou. D'ailleurs, c'en est où le pot pour toi, Samy? Ah, ça fait quand même 50%. C'est plutôt cool. Il restera que la réflexion après. La réflexion. Mais bon, bah, on rushera, hein, comme d'habitude. Non, fais pas de colère, fais pas de colère. C'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, ils doivent avoir faim, je suppose. Ah, oui, sinon c'est pas drôle. On va foutre ça. Il reste combien? 7. Ok. Samy vient manger et ensuite dodo. Samy a trop peur. Ah ok, il a fait un cauchemar. Eh bah tant pis, hein. Bah il va bouffer, vu qu'il y avait 15 plombs, il va bouffer, ça ira. Allez, dépêche-toi de faire caca. Voilà, va manger. C'est bon, il a pris? Oui, c'est bon. Ils mangent et après ils iront se coucher. Coucher. Alors lui, il en a pour combien de temps encore? Oh, c'est bon, le temps qu'il bouffe. Allez, allez, on se dépêche. C'est passionnant. Ça va, je trouve que je m'en tire plutôt bien. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour le moment, ça va. Bon, ils y vont ou ils se touchent, là? Ah, les gosses sont rentrés. Alors, bah, les gosses, vous allez venir à table. S'asseoir. Attends, quoi? Pourquoi? Non, mais tu vas pas dormir, hein, Chibi. Elle est gentille, elle. J'hallucine. Ah oui, il va falloir faire le travail scolaire après, hein. Est-ce que vous avez... Ah, les notes sont en hausse. Ah bah, ça, c'est cool. Bon, c'est bon, les petits, ils dorment. Ben non, il dort pas, le con. Mais va te coucher, te va. Mais il a pas mangé. Ouh.
espèce d'abruti. Natsume, j'ai rien dit, tu es très très casse-couille. Bon bah c'est cool, déjà on n'a plus le ménage à faire, donc ça c'est déjà bien. Du coup les petits, alors c'est bien, très bien, tu vas faire du travail supplémentaire. Tout le monde fait du travail supplémentaire et après vous allez faire vos travaux scolaires. Donc ils font leur travail supplémentaire, après vous ferez vos travaux scolaires. Je l'ai déjà dit, je sais. Et Pierre, Pierre tu vas aller faire du sport, voilà. Fait encore, il est toujours pas allé se coucher lui. Bah oui, bah t'es crevé, bah c'est normal, tu fais pas ce que je te dis. Bah voilà, hein, c'est comme ça que ça marche, hein. Du coup, les travaux scolaires, on foutra un là et ensuite commencer le travail minutieusement. Ok, donc Chibi a un item buggé. C'est pas grave. De toute façon, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, etc. Alors moi, je vous envoie des cœurs et des paillettes et salut!